Mais il avait eu tellement peur, il s'en était sorti. Et il a dit, je me suis sorti, senti transporté en réussissant ça. Et il avait gagné donc son troisième Roland Garros derrière et très applaudi sur cet amorti avec Gustavo Kuerten. Ce match avait été participé. Il avait réussi avantage à sauver un match qui semblait totalement perdu. Bien masqué. Vraiment, ça lui appartient à cette façon d'avoir se soigné complètement. Oh, quel revers. Oh, magnifique. C'est magnifique. Parfait de Gustavo Kuerten. Il neutralise son adversaire avec un revers long croisé avant de rentrer un peu plus vers la ligne de fond de court et lâcher le revers long de la ligne. Et Arnaud, on ira sur les cours annexes dans un instant parce qu'il y a quand même quelques surprises. Ouais. Qui est complètement chauffé maintenant. Oh là là, il est là ce revers qu'on a tellement plaisir à voir, notamment Philippe Chatrier qui est. Oh, il y avait de la place et le côté revers ça ne parvient pas. En revanche, il s'est très bien positionné pour. Jouer ce fameux revers le long de la ligne. Vous avez vu sur sa main le tatouage qu'il a. Quand il est beau. Qu'il est beau ce revers. Ah ça va, quand il est placé sur la balle, il se régale. Oui, ce geste de passer, ça arrive. Il ne s'en lasse pas, hein. Il en a vu des milliers de coups comme ça, mais vraiment, c'est une merveille absolue. Exceptionnel ce revers. Ah, le plaisir qu'il prend d'ailleurs quand ça se sort là. Ouais, pour revenir au score. Oh, formidable. Des suites comme ça, et il sert le point, et il prend ce public. Assez étonnant. C'est agréable. Ce dernier revers, c'est un petit peu sa force. Hein, sur une balle qui remonte assez haut, hauteur d'épaule, il est capable de la rabattre, jouer le long de la ligne. Je l'ai dit et je le répète, c'est comme cela qu'il avait tendance à dominer tous les Espagnols. Balle à hauteur d'épaule. Et le public s'est complètement réveillé, voyant deux coups fantastiques du Brésilien. Pouvons-nous avoir notre cœur. Oh là, elle est bonne, elle est bonne. Elle est encore une ligne, c'est parti. Exceptionnel revers. Ah, vraiment, ce coup-là aura fait beaucoup de dégâts. Bah, autant que là, il est vraiment mal centré, mais là, pof, comme il est bien placé, ça va à une vitesse folle dans la diagonale. Et même si pas envie de pas. Une des spécialités aussi de Guga, ce revers croisé court. Difficile de savoir si elle va partir le long de la ligne ou alors croisé comme sur ce point-là. Grosse prise de